Salut à tous les amis Zanabots, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour réagir. Oh, oula, merde, le micro. Pour réagir au tout nouveau thriller de Garten of Ban Ban 8. Et oui, du coup les amis, il y a 2 jours, je crois, il y a 2 jours, on avait terminé le chapitre 7. On avait terminé le chapitre 7 qui était quand même une très très grosse dinguerie. Franchement, c'était oula, c'était vraiment, il était vraiment très très bien ce chapitre quand même. Bah, voilà, moi j'ai toujours été, moi j'ai été un petit peu déçu quand même de la durée, tout ça. Mais après, en soi, voilà, franchement, c'est pas, il est bien. Le jeu était vraiment très très bien tout de même, voilà. Donc écoute, en tout cas les amis, aujourd'hui on se retrouve pas sur Garten of Ban 7. Et d'ailleurs non, dans 2 jours du coup, dans 2 jours, on retournera sur le jeu pour découvrir les secrets de ce jeu. Je vais tout vous faire découvrir, ça va être incroyable. Et en tout cas voilà, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le teaser, trailer officiel de Garten of Ban 8. C'est parti, on y est les gars. Ah, le fameux bleu là. Hi. It's been a while. Oh. Mais non. Waouh. Oh, mais c'est loin d'être fini là, attends. Wesh. C'est quoi ça encore? Attends, un nouveau personnage là. What the fuck? Y'avait Sir Dadadou et tout là? Mais non. Wesh. Mais non, ok, d'accord. Bon, bah, du coup, on a 2 nouveaux personnages. Donc, on a le. D'ailleurs, les fans, des personnes l'appellent Flumbo. Flumbo, par du coup, l'ancien prénom de Ban Ban, hein, celui qui devait être à la base être donné à Ban Ban lors de la production du premier jeu. Sauf qu'au final, après, du coup, tu sais, il y a eu Flumbo Krupa, comme ils avaient dit là dans une dernière de leurs vidéos, tu sais, où ils expliquaient le secret, on va dire, de Ban Ban. Et donc, du coup, ils ont dit que les anciens prénoms avant le jeu, avant la sortie de Garten of Ban Ban 1, c'était Flumbo et Krupa. Et donc, il y a des fans pour le moment qui l'appellent Flumbo. Alors, je pense vraiment pas que ce sera son prénom, son nom dans le jeu, mais écoutez, ça se tient. C'est un bon nom, on va dire, en attendant. Et puis du coup, on voit d'ailleurs Bam Bam qu'on a toujours pas, qu'on n'a pas vu du chapitre 7. On le voit qui se tient, qui rouvre la porte en gros à Flumbo, on va l'appeler comme ça, à Flumbo du coup. On va l'appeler comme ça, hein, vu que tout le monde l'appelle comme ça. Qui ouvre du coup la porte à Flumbo, qui était dans un placard, seul. Ok, et donc qui dit salut, ça faisait longtemps. Putain, il est tout zombifié en fait, c'est vraiment chelou, hein. C'est vraiment chelou. Et donc on voit bien que il y avait un genre de d'ancien Ban Ban en fait en soi dans l'équipe. Un ancien Ban Ban. Un ancien Ban Ban. C'était ça. Regardez, en plus là c'est la salle où on était avec du coup Stinger Flynn là qui était à notre droite et puis non, à notre gauche, pardon. Et puis Siringeon qui était là. Et donc voilà, donc en fait ça c'était l'ancienne équipe, on va dire, du coup. Là du coup avec Flumbo, on va dire, qui se tient là. Et puis du coup ça c'est ça par contre, ça je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a Sir Dadadou qui est ici. J'en ai aucune idée. Et puis du coup on a aussi un nouveau personnage. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus c'est quoi cette bête. Vous savez, c'est la même chose que dans Rio. Je sais pas si vous savez, c'est, vous savez, des dessins animés là dans Rio là. Qui aspire les fourmis là dans le bocal là. Tu sais, qui a dans les fourmis. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est pas un tapir, non, non, c'est pas un tapir. Ah, c'est un tabanoir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Bon, c'est sûr et certain, c'est ça. Ça se voit. Ça se voit, c'est un tabanoir, littéralement. Eh ben voilà. Bah écoutez, bah les gars, oui, ça aura été court comme vidéo, mais écoutez, bah il n'y a pas grand chose à refaire. En tout cas, on retrouve bien, voilà, bah du coup, l'ancienne équipe, on va dire presque.
Après, je sais pas du tout. Pourquoi est-ce que eux sont là et pas les autres, en fait? C'est ça que je me pose. Je me pose bien la question. Est-ce que c'est parce que, du coup, tu sais, à chaque chapitre, on descend dans les fins fonds de Band Band, de la Garden of Band Band, tu sais, le Band Band, Band Band Kindergarten. Voilà, jardin d'enfants. Ouais, bon, voilà. Une crèche. En soi, franchement, c'est ça, c'est une crèche, en fait, le truc. Bah alors pourquoi est-ce que eux sont là? Et donc du coup tu sais, du coup moi je pense que c'est parce que tu sais on s'enfonce un peu plus dans les fins fonds du coup de la crèche de Ban Ban. Mais alors pourquoi est-ce que eux sont là et pas les autres en fait? C'est mystérieux tu vois. Puis lui on sait toujours pas c'est quoi, on sait toujours pas c'est qui. On n'en sait rien lui. Eux ils sont morts. Et puis lui il est de retour avec sa guitare. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que tu sais ça... Ça se pixelise, tu sais, ça se zoome et ça se pixelise sur lui. Ouais, bref. Et ben voilà quoi. Attendez, je vais aller voir sur la page Steam. Bon, ben voilà, là on a juste les images, hein. On a juste les images. C'est toujours la même description. Date de sortie prévue 2024. Moi, hé, les gars, on ouvre les pronostics dès maintenant. On ouvre les pronostics dès maintenant. Je dis que, vu que là, le jeu est sorti le 10 mai. Vu que le jeu est sorti le 10 mai, je pronostique, celui-là sort. Alors, attendez, 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 parce qu'on a eu combien de temps d'attente entre Garden of Band Band 7 et sa sortie? 4 mois, 4 mois avant sa sortie. 4 mois. On a eu le premier teaser 4 mois après sa sortie. Et je pense que honnêtement, s'il travaille encore mieux et tu sais, plus, je pense que du coup, ce serait genre dans 4-5 mois, peut-être, la sortie du prochain. Dans 4 ou 5 mois. Et donc, je dirais, je parierais bien pour août-septembre. Août-septembre. En tout cas, automne. Automne 2024, obligé. Moi, je dis automne 2024. Ou alors fin été. Ouais, peut-être fin été. Soit juillet, soit août. Soit mois de juillet, soit le mois d'août. Et s'ils ont du retard, on va dire... Je dirais bah, début septembre. Mais grand maximum début septembre. Grand maximum. Sinon, je dirais au cours de... Eh ben, juillet-août. Ça fait déjà des pronostics. C'est on a fini le jeu un jour avant. Ça on fait déjà des pronostics, tu sais. Eh ben voilà. Bah, en tout cas, bah, voilà. Bah, les amis, bah, c'était une très courte vidéo. Puis, bah, dans tous les cas, voilà, ça aurait été une très belle analyse. Petite théorie en plus de ça, des pronostics et tout. Voilà, la vidéo est très bien. Plutôt complète et tout, moi je suis content. Mais en tout cas, bah voilà, bah écoutez, en tout cas les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'est Zenabets, on se retrouve très bientôt pour Garden of Band Band chapitre 8. Et les secrets qui sortent dans 2 jours au moins, je pense. Ou alors peut-être un peu de retard, parce que je vous rappelle que je ne suis pas chez moi. Voilà. Je fais les vidéos à l'avance, tout ça. Bref. Bref, toutes les infos sont sur le serveur Discord et voilà, bref. Sur ce, c'est Zenabets. Prenez soin de vous. Bye!